à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu plus printanière avec un jeans blanc, 5 looks, 5 idées de looks avec ce jeans. Et vous allez voir qu'il y a des looks qui peuvent tout à fait être portés pour l'entre-saison ou pourquoi pas même pour la fin de l'hiver. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez, c'est plutôt là que je partage avec vous mes inspirations de look et vous pouvez suivre mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je partage avec vous les actualités, les formations, les animations qui sont justement lancées. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc le jeans, de façon générale, il fait clairement partie des basiques du dressing. Donc moi, je conseille toujours à mes clientes d'avoir au moins 4 couleurs de jeans dans leur dressing. Donc un jeans bleu, classique, basique, un jeans noir, un jeans gris, mais aussi un jeans blanc. Et le jeans blanc, il est vraiment très intéressant à utiliser. Alors on peut même l'utiliser en plein hiver. Moi, c'est une couleur que j'adore de porter en hiver. Le blanc et les couleurs claires, de façon générale, je trouve que c'est toujours très joli aussi, même si je sais que parfois on est un peu plus frileux d'oser justement utiliser le blanc en hiver, mais c'est une couleur qui peut tout à fait se porter, enfin une non-couleur entre guillemets, qui peut tout à fait se porter en hiver aussi, et ça peut faire de très jolis looks également. Donc ici, les looks que je vous propose sont plutôt des looks un peu plus d'entre-saison, parce que c'est vers là forcément qu'on arrive et qu'on va et qu'on a envie d'aller. Justement, l'hiver, on commence à en avoir un petit peu marre. Et donc ici, vous allez voir que ce sont des looks qui sont très faciles de nouveau à reproduire et très faciles à composer avec les pièces que vous avez dans votre dressing. Le premier look, c'est ici avec un look noir et blanc. Donc ça, c'est une association personnellement que j'aime beaucoup, les looks noirs et blancs. Je trouve que c'est toujours très chic. Ici, avec la petite touche de couleur au niveau des chaussures, pour apporter la petite touche de lumière et le relief supplémentaire à la tenue. Donc ici, on a un joli top drapé noir qui est parfait pour l'entre-saison. On peut tout à fait porter, moi je le porte même en hiver avec un petit débardeur thermique en dessous et ça fait très bien l'affaire aussi, mais vous pouvez tout à fait porter ce genre de pièce pour l'entre-saison, pour le printemps à venir. C'est vraiment un look qui est, je trouve, assez efficace. C'est un look qui crée de nouveau le bon équilibre casual chic, parce que ici, automatiquement, avec une pièce en jeans, eh bien vous avez la pièce casual sur le look, et si vous voulez que le look soit un peu plus chic, eh bien vous allez le mixer avec des pièces qui sont un petit peu plus chic. Si vous voulez que le look soit un peu plus féminin, vous allez le mixer avec des pièces qui sont un peu plus féminines, et ainsi de suite. Et ça peut en faire des looks comme ça qui sont très réussis et qui conviennent finalement à tout le monde en fonction justement des différents styles. Ici, on pense aussi à l'accessoiriser avec pourquoi pas une jolie ceinture, de beaux bijoux, et on a un look qui est super efficace, facile à porter dans son quotidien. Le look suivant, c'est avec un blazer beige. Donc le blazer beige, vous le savez, ça fait partie pour moi des basiques à avoir dans son dressing, notamment pour les entre-saisons. Et ici, vous pouvez soit lui apporter une touche un petit peu plus hivernale, par exemple s'il fait encore un petit peu froid, apporter avec un petit sous-pull, tout comme vous pouvez lui apporter une touche un petit peu plus estivale, un petit peu plus printanière, si c'est porté avec une blouse fluide, avec une chemise. À vous un petit peu de voir ce que vous avez à la maison, mais en tout cas, ça peut fonctionner à la fois pour la sortie de l'hiver et à la fois pour les beaux jours. Ça peut faire des looks qui sont très réussis, qui sont très chouettes. De nouveau ici, on y ajoute une jolie paire de chaussures, de beaux accessoires, et on a un look parfait pour le quotidien ou pour aller travailler. Le look suivant, c'est celui que je porte aujourd'hui avec le blazer bleu que vous avez déjà pu apercevoir. C'est clairement un de mes blazers chouchou du moment. Et avec le blanc, je trouve que c'est très lumineux. Ça fonctionne merveilleusement bien. Donc ici, de nouveau, pour un look qui est un petit peu plus printanier, avec le t-shirt, avec cette impression de soleil finalement, de par la couleur claire et de par la couleur bleue ici qui est très lumineuse. Et ça fait du bien au moral de porter justement des couleurs qui reflètent justement la lumière. C'est toujours très intéressant et c'est très lumineux forcément pour le coup ici. Donc de nouveau ici, on peut jouer avec des accessoires dorés par exemple, étant donné que les boutons ici de la veste sont dorés, ça va faire un très bel équilibre, ça va donner un côté assez chic à la tenue. De nouveau, une jolie paire de chaussures, pourquoi pas ici une paire de boots blanches, et on a ici un look de nouveau qui fonctionne super bien et que vous pouvez adapter encore une fois avec les pièces que vous avez à la maison. Le look suivant, c'est avec une chemise à imprimer animalier. Donc là, la chemise, de nouveau, c'est la pièce forte de la tenue. La pièce un petit peu plus chic ici parce que de par forcément le fait que c'est une chemise de façon générale, mais aussi de par sa matière qui est légèrement satinée, eh bien ça donne comme ça un effet qui est un petit peu plus chic automatiquement. De nouveau, ça crée un bel équilibre casual chic avec le jeans blanc.
ça vient rehausser un petit peu le tout avec l'imprimé parce que ça apporte du relief ici supplémentaire. Donc retenez bien ici, comme je vous le dis régulièrement, hein, on va soit jouer avec la couleur, soit avec l'imprimé, soit avec la texture. Et ici, ben, ça en fait justement un look qui est assez intéressant au niveau du relief de par justement l'imprimé. De nouveau ici, on est sur un mix qui fonctionne avec du noir et du blanc. Et ça crée un look qui est très efficace, qui est moderne, qui est chic à la fois, tout en restant décontracté grâce aux jeans. Donc un look qui peut de nouveau convenir à de nombreuses personnes en fonction du style et en fonction de la morphologie également. Et le dernier look, c'est avec du kaki. Donc le kaki et le blanc, moi je trouve que c'est toujours très réussi. J'aime beaucoup cette association de couleurs parce que le kaki mélangé avec le blanc, ben, je trouve que ça lui donne un côté qui est beaucoup plus lumineux que par contre ben, avec le noir, automatiquement quand vous associez une couleur avec le noir, elle sera un petit peu plus ternie. Ça c'est logique. Et donc ici avec le blanc, ben, ça lui donne un côté qui est très lumineux, qui est très estival, qui donne envie de nouveau de soleil. Et donc moi ça c'est une harmonie que j'aime beaucoup d'associer justement le kaki et le blanc. Alors de nouveau ici, on accessoirise. On joue avec les accessoires pour aller encore plus loin sur le look et pour l'affirmer encore un petit peu plus. Une jolie ceinture, de beaux bijoux, un joli sac à main et on a un look ici qui est finalisé, qui est complet. On peut rajouter une petite veste par-dessus bien évidemment pour l'entre-saison et on a de nouveau un look stylé et efficace. Donc le jean blanc, il fait partie vraiment pour moi des basiques à avoir dans son dressing au même titre que les autres jeans que je vous ai cités. Et ici, c'est un jeans donc, qui est plutôt taille haute, qui a une coupe qui est straight fit, donc une coupe qui est plutôt droite. Et sachez que la coupe droite, elle convient à presque toutes les morphologies parce que justement, bah, c'est une coupe qui n'est pas trop slim, qui n'est pas trop skinny et qui fonctionne à ce moment-là bah, pour toutes les morphologies parce que ça met bien en valeur justement ici la silhouette. Et donc, c'est une coupe qui peut convenir à de nombreuses morphologies. Donc voilà pour 5 idées de look sur base d'une pièce. Donc le jeans blanc ici en l'occurrence. Dites-moi d'ailleurs le look que vous avez préféré, ça me fait toujours plaisir ici d'avoir vos retours et d'avoir vos avis, de pouvoir échanger avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré pour les beaux jours qui arrivent. Si vous avez des questions, posez-les moi comme d'habitude aussi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et nous, on se retrouve samedi prochain, rendez-vous à 9h comme tous les samedis pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye !